Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette session de Toddler's Time. Welcome to this Toddler Time session that we do every Tuesday in the library for toddlers and for parents as well. We're looking for ideas of games and readings and songs as well to sing to their little ones. So this video is going to be available on the Facebook of the French Library on the video section and on the YouTube channel of the Alliance Française as well if you want to read it again. And yeah, and there we go. So today we're going to have a look in the garden for some vegetables, legumes, as you can see here. And we're gonna go back again to the snails, les petits escargots, because I have a great album, a new one, that I wanted to show you. On the collection of other albums that we have, where it's a song adapted into an album, so we can sing together with the album. And I'm going to talk in French for the rest of the workshop, so enjoy. Alors donc aujourd'hui on va aller faire un petit tour au potager parce que j'ai retrouvé un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Grosse Légumes. Je vais m'approcher un petit peu après. Et c'est un album qui est publié au Rouergue, qui est une maison d'édition passionnante pour les littératures jeunesse, qui est aussi une maison d'édition de littérature jeunesse et adulte. Par exemple, hop, leur excellente collection pour les ados, par exemple, ils en ont plusieurs, mais c'est de la très bonne qualité littéraire. Et pour la jeunesse, c'est une maison qui est particulièrement connue pour avoir apporté extrêmement d'innovation en fait dans la forme des illustrations. Je pense que le plus connu, c'est avec le premier qui s'appelle Jojo la Mâche, qui représente une vache mais vraiment très très stylisée en collage et tout ça. Et dans le domaine de l'illustration en fait en album, c'était vraiment très novateur et ça allait toujours. Le Rouergue est toujours assez fait des créations vraiment qui sont des objets littéraires et de dessins très très étonnant souvent et beau aussi. Donc dans celui-là, en fait, c'est l'histoire d'un petit ver de jardin et qui va aller se balader dans les légumes. Donc c'est une narration assez simple, mais vous allez voir, le jeu c'est surtout avec le nom des légumes et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mots. Voilà, donc il va faire des trous un peu partout. Donc je voulais juste vous montrer avant pour les petits, parce qu'on va parler de plein de légumes différents qu'on va voir parfois en entier, parfois pas. Donc je vais garder, j'ai un petit set de légumes pour pouvoir comparer au fur et à mesure. Alors j'ai pas tout ce qu'il y a dans l'album, mais on pourra quand même se faire une idée. Je vais sortir. Yes. Alors, approchons-nous. Donc pour l'album, Grosse Légumes. Le cadrage est un peu différent d'habitude, mais normalement c'est bon, je pense. Et c'est un album de Jean Gourounas. Qui voilà. Un ver qui se plie, qui se tord. C'est le ver ou la chenille, on ne sait plus exactement, qui avance. On l'appellera le ver. Grosse légume. Que voit le ver? Il voit une grande tomate. Comme ça. Le ver fait un trou dans la tomate. Poireau, un deuxième trou dans le poireau, comme cela. Poireau. Oh! Et il plonge dans le navet.
Navé, hop. Poireau. Oh, pardon. Le ver a fait un ro. Et il continue. Il rentre dans le céleri. C'est le poivron. Le ver ressort. Pois. Et puis quoi? Et puis du maïs. Et puis maïs. Maïs. C'est hyper bizarre comme on dit. Maïs. Oh, yes! Le ver monte. Et il va glisser, hop, dans le trou de la cou. Jusqu'au petit pois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit pois. Vert. Et alors après? Strike! Le ver a renversé tous les petits pois. Et il arrive, hop, dans l'endive. Alors, ça fait bizarre quand on répète endive plusieurs fois. Ça fait endive. Oh, aubergine. Et après l'aubergine, on rentre dans le chou. Chou, caillou. Chou, bidou, bois. Et patatras. Rentre dans les patates. Patates. Et finalement, dans l'asperge. Asperge. Ah! Oh! Aïe! Le ver est tombé dans l'ail. Aïe. J'avais de l'ail. Il est caché derrière là-bas. Depuis longtemps. Aïe. Aïe, le ver ressort de l'ail. Ouille, fenouille. Ouf! Et il rentre finalement dans la carotte. Trois carottes. Très bonne à manger. Ouf! Carotte. Oh, pardon. Et il continue. Quick. Le ver rentre dans le radis. Quick. Radin. Le ver a beaucoup grossi. Mais le voilà, purée, qui arrive près d'une énorme citrouille. Ah, citrouille, si grande, strou, ouille, il est coincé. Et pop! Il est parti. Oh.
La poule a mangé le ver qui avait mangé tous les légumes. Un ver fourré aux légumes trop bio. Il avait bien mangé ce ver et dit qu'il était très très bon. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est un album donc assez différent, mais qui permet vraiment de jouer sur la sonorité de la langue et de rigoler un petit peu avec les mots. Alors, pour continuer, ça va être... Je vais vous refaire un jeu de doigts qu'on a fait déjà une fois, je pense, mais que j'aime beaucoup et qui est sur les escargots. Alors, ça fait deux petites cornes d'escargot et deux petites cornes d'escargot se rencontrent. Ils se disent bonjour, 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 bonjour. Je le refais une fois. Deux petites cornes d'escargot et deux petites cornes d'escargot se rencontrent. Ils se disent bonjour, 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 bonjour. Alors, donc l'album Le Petit Escargot. C'est de Lucie Plassin et publié chez Casterman. Et donc je recommande chaudement toute la collection. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Voilà, il y a plein de têtes partout. Il pleut, ça y est. Papa escargot met son beau chapeau et ses lunettes. Avec toute sa maison derrière lui. Maman escargot pense au grand couteau, à la fourchette. Grand, grand, grand couteau, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces escargots de toutes les couleurs? Sitôt préparés, ils vont déjeuner au potager. Tous ensemble, avec le parapluie, avec le beau chapeau. Avec, qu'est-ce qu'on a vu là tout à l'heure? Les citrouilles, hop, les radis, les radins, ils ont vu tout à l'heure. Les poireaux avec leurs grands cheveux verts, les carottes, l'eau, les outils et les asperges. On en a vu aussi tout à l'heure des asperges. Ils vont faire un pique-nique près du potager. Croquer les salades, c'est la régalade. Quelle rigolade! Forcément, plein d'escargots avec de la salade. Ils vont faire un festin. C'est un vrai festin. C'est un vrai festin. Il ne reste rien, même pas un brin. Rien du tout. Oui, mais tout à coup, une botte en caoutchouc marche sur les choux. Bon, enfin, à qui est cette botte? Attention à vous, les escargots. Attention. Alors, aussitôt presto, nos petits escargots roulent vers l'eau. Ils laissent les salades, les carottes, les radis. À côté de l'eau, il y a un petit panneau avec marqué
Welcome chez Bernard. Ta galette, soin de soin, allons tous au bain, en maillot de bain. C'est lui, Bernard, welcome chez Bernard. Et hop, tout le monde saute dans l'eau, dans la mare, avec un maillot, un masque, un tuba, des palmes, même. Après le pique-nique, dans l'eau. C'était rigolo. Petit escargot rejoint bientôt chaud sa maisonnette. C'était rigolo. Maintenant au dodo. Chut. On va dormir près de l'eau. Et voilà. Dans la même collection, plus de 46 titres parus. Ouais. Donc, voilà. On en a quelques-uns ici. Et je vous les conseille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, la bibliothèque a réouvert au public il y a 2 semaines maintenant. Donc, vous pouvez venir emprunter des documents. Vous ne pouvez pas lire sur place avec les enfants, mais vous pouvez au moins venir chercher les documents et les choisir vous-même. Donc n'hésitez pas à revenir. Et donc, sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo d'Etangler's Time. Donc, ça sera mon collègue Guillaume qui la fera. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.